Hello YouTube, je suis super content de vous retrouver donc pour la poursuite de la carrière avec Anderlecht. Donc voilà, nous avions fait une première vidéo d'une petite demi-heure pour présenter un peu le club, les joueurs et tout ça, tout ça. Alors, j'aurais aussi voulu être un artiste, non, c'est pour rire. Donc voilà, donc dire que nous sommes donc bien en Conference League, qu'il y aura la Coupe de Belgique et donc la Jupiler Pro League. Est-ce qu'on peut voir? Non, c'est pas là qu'on voit ça. C'est où qu'on voit ça? C'est pas grave. Donc voilà, nous allons déjà dans un premier temps placer les joueurs dans ma première tactique, hein, tout ne va pas rester comme ça, nous sommes tous bien d'accord là-dessus. Donc là, nous voulons du Van Combrugge, vu que lui est en de toute façon partant, j'espère. Alors, un ailier droit, nous allons mettre de toute façon Mourinho. Mourinho, Raman, Sardella, oui. Alors, en défenseur central, droitier. Où dit-il quoi lui? Ou il est gaucher. Donc c'est encore pire qu'il va moins jouer lui. Je vais mettre De Bast. De Bast il est droit. De Bast est droitier. Donc De Bast jouera à droite. À gauche. Dans un premier temps, je vais mettre Oud. Dans un premier temps. Ah ben non. Et là, toute ma problématique. Est-ce que je mets Vertonghen là? Et est-ce que je mets... D'ailleurs, j'aimerais... Merci bien. Voilà. Est-ce que je mets NDI ici? De toute façon, je pense que dans l'absolu, je vais recruter un défenseur gauche. Hein. Parce que NDI, comme je l'ai dit, je pense qu'il serait meilleur en défenseur central gaucher qu'en défenseur gauche pur, en fait. Je pense. En plus, il n'a pas de déter. Il a déjà 20 ans. Je sais pas. Dans un premier temps, je vais le laisser là, mais je suis pas persuadé qu'il y reste. Alors, en milieu récupérateur, nous aurons Diawara. C'est une obligation. Et là, eux, ils mettent un milieu. Pff, je vais y arriver. Ils mettent un meilleur de jeu libre. Je suis pas fan. Si je vais mettre un soutien. Est-ce que je mettrais pas plus un meneur de jeu retrait? J'ai peur que là il y ait un trou. Tu fais quoi toi? Toi tu es milieu centre, milieu axial. Je pourrais mettre un milieu axial. Est-ce que je mettrais pas plutôt un milieu central pur? Tu es quoi toi? Toi tu serais un box-to-box. Avec 8 de finition, t'es sérieux? Lol. Si je mets milieu axial par exemple. On s'en fout de soutien machin pour le moment. En milieu axial. Ce n'est pas foufou si je mets un Chimérou. Est-ce que ça ne serait pas un peu abusé? Et si je faisais genre ça? Donc un milieu central récupérateur. Je pourrais jouer à deux milieux défensifs, hein, c'est pas le problème.
Alors, il y a Reverse Karen. Ouais, ça change pas des masses qui soient mieux offensif, attaque ou. À droite, nous avons qui? À droite, nous n'avons personne. Très clairement. Parce que Amouzou, lui, il est droitier. Lui, il doit jouer attaquant intérieur gauche. Amouzou. Lui, il est ici. Amouzou, il est ici. Attaquant, pressing ou n'importe quoi. Je vais mettre Silva. Mais lui, il serait plutôt attaquant avancé attaque. Est-ce que je mettrais pas un meneur de jeu avancé plutôt ici? Attaque, soutien, je m'en fous, mais. Parce que ça fait beaucoup d'attaques là, je trouve. Le problème, c'est qu'à droite. Je n'ai personne. Je pourrais mettre Raphaël Love. Raphaël Love. Il est droitier, donc ça devrait être un ailier. C'est ça le problème, hein, non? Il a 36 ans. Si je vais dans. Attendez 2 secondes. Alors, si je vais. Effectif. Compo d'équipe. Varskaren. Ah, j'avais oublié qu'il y avait Benitraman qui pouvait jouer là. C'est quand même vachement pratique ce truc. J'ai quand même beaucoup en apprentissage. Parce que du coup. Benito Raman. Lui, il est droitier, donc. Est-ce qu'il peut être. Non, il peut pas être ailier. Enfin, il. Un ailier sans. Enfin, je sais pas quoi. Il y a Rivers Karen. Lui, il pourrait être ailier, par exemple. Est-ce que je n'ai personne? Il y avait Enoch Aguiay, mais il est beaucoup trop léger de toute façon, je pense. Celui pourrait être, par exemple, attaquant intérieur, lui. Mais je pense que c'est beaucoup trop tôt pour lui. Moi, là, je cherche quelqu'un capable d'être titulaire, en fait. Et voilà. J'ai lui qui n'est pas prêt. Tout le reste. Lui, il est droitier, donc ce serait plus un ailier. Mais même chose, il n'a pas de centre ou presque. En U18, il y a Duranville. Mais c'est encore beaucoup trop léger. Même chose. Il est bon, il a des très bonnes stats. Mais je peux pas en faire un ailier là maintenant, à l'instant T, je peux pas. C'est comme un attaquant intérieur, par exemple. Ouais, je sais pas. Faut rien accessant le gamin. Duranville. Ils mettent ailier intérieur, milieu offensif gauche. Lui, ils envoient comme un ailier intérieur.
Milieu offensif, droit buteur. Lui serait ailier. Mais même chose, c'est beaucoup trop. Non, il va me falloir. Donc je vais attendre pour cette place-là, je pense. Je pense que je vais mettre Vorskaren en premier lieu là. Au cas où. Mais comme il est droitier, je vais peut-être plutôt le mettre en ailier. Je le mettrai ailier soutien. C'est top, attaque soutien, soutien attaque, c'est parfait. En meneur de jeu, ou enfin, ouais, là, je mettrai Lior Raphaëlov. Et Silva. En MOC, j'ai qui? J'ai Vorskaren, j'ai. Ah oui, j'ai Elhadj. Elhadj pourrait jouer en doublure. Ouais, ce serait bien ça. Je verrais un truc à peu près comme ça. Ouais, je verrais quelque chose à peu près comme ça. Moi, comme ça me va à peu près bien. Ah, mais j'ai Sadiki. Pourquoi il ne me l'a pas mis dans les défenses quand j'ai fait ça ici, là? Tac. Pourquoi il ne me met pas Sadiki ici? Défenseur droit-centre. Celui, je vais clairement en entraînement. Attendez, tactique. Ouais, l'off attaque. Lui, ah, c'est peut-être pour ça, je vais voir. Ah, il serait peut-être plus latéral offense. Attendez un petit peu. Sadiki. Tac. Il serait plus. Oh, bon, en fait, c'est pareil. En complet, il est plutôt bon. Il a un problème de volume de jeu, mais n'a que 18 ans. Si je le mets attaque, ça change rien. Ouais, complet attaque. Complet attaque. Ok. Parce qu'en plus, ouais. Parce qu'en plus, c'est un peu dans l'ADN du club de jouer avec un arrière latéral qui est très très offensif. Entraînement, tu vas jouer défenseur droit. Hop et hop. Oui, c'est moi qui gère. Il a 18 ans, il faudrait de l'équilibre surtout et de la vitesse. Avec qui sent la balle, ouais. Je pense que dans un premier temps, est-ce que je ferai de la vitesse? Parce que l'équilibre, peut-être faire travailler un peu, ouais. Après, je peux pas. Peut-être parce que ça. Ouais, peut-être. Alors. Ah, c'est parce qu'il est en vacances, en fait. Ok, d'accord. Mais ça n'empêche que. Voilà. Anglo-Arnstadt, Esposito, Verb. Oups. Ouais, j'ai mis Vertonghen. En fait, je pense qu'il va bouger, lui, parce que j'ai Delcroix, défenseur central gauche. Soit. Il vaut combien, lui? Il vaut. Ah ouais, quand même. Je vais tester. Alors, je tenais à vous prévenir de mon intention de vous placer à ce transfert d'ici peu. Ça ne veut pas forcément dire que vous partirez. Et je souhaite savoir si c'est sérieux. Non. Pourrait dire ça, je m'en fous. Non.
vais toujours le mettre. Je vais voir. Wesley Hood. Cana, Delcroix, Cana. Est-ce qu'il peut jouer? Ouais, il peut. Entraînement. Milieu central, milieu récupérateur, défense. Voilà. Et jouer un peu l'endurance. Alors, endurance. Voilà. Et en double intensité. Oui. Ok. Donc ça c'est fait. Finance, vision du club, info club, transfert, recrutement. Le problème, c'est que est-ce qu'il me faut... Oui. Jupiler, ok. Une recherche ciblée. Créer une recherche ciblée. Il me faut un milieu offensif droit. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours plus ou moins joué avec deux attaquants intérieurs. Mais est-ce que trouver un ailier ne serait pas une bonne chose? Maximum 29 si possible. Domaine. Nos recruteurs connaissent très bien la Belgique et donc nous devrions. C'est là que nous devrions effectuer les recherches. De toute façon, ça va bouger. De toute façon. Pour le moment, non. De toute façon, pour le moment, je vais même pas définir qui que ce soit. Pour l'instant, je vais faire comme ça. Tac. De toute façon, je dois changer mes recruteurs. Donc, je vais aller voir dans le staff. Recherche de staff. Alors, recruteur. Je vais déjà voir ce que ça donne, ce que je vois comme recruteur. Recruteur, merci. Ok. Alors, je n'en vois pas des masses. 19, 20, 15, 17, 18, 18, 15, 15. Est-ce que tu voudrais... Angleterre, Allemagne, Écosse, Suisse. Contrat, proposer un contrat. Je suis obligé de le faire. Oh, non, là, hop, je suis... Voilà, merci. Attends. Attends. Parce que pourquoi pas, en fait. Mon... Responsable de recrutement. Il est pas bon. En revanche. Donc du coup. Nous allons prendre le mec du Grasshopper, contrat, proposer un contrat. Et lui, il veut être responsable du recrutement. Why not? Ok. Mais maintenant, moi, j'aimerais aussi des recruteurs. Alors, Roger Cross, lui, c'est l'Angleterre.
Lui, il fait Angleterre aussi. En parfait. Mais Allemagne, Écosse. Là, on a 15-15. Il est libre. Moldavie, Ukraine, Brésil, Paraguay. Ça pourrait être très très intéressant. Contrat, proposer un contrat en recruteur. 1, 2, 3, 4. Ok. Alors, Arcades Mota, Limte, Belgique. Contrat, proposer un contrat en rec... Non, 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 en revanche, recruteur, c'est possible? Je me trompe. Recrutement. Recruteur. Parfait. Donc là, ça me fait 3... Attendez. Ça me fait 3 recruteurs. Non. Ça me fait 2 recruteurs et un... Ouais. Lui, c'est quoi? Sérieux, il est un peu à chier, lui, hein? Ouais, en plus, ouais. Hop, les deux là, on va les dégager. Je dis les deux là, on les dégage, merci. Oui. Donc, comme ça, je vais déjà voir ce que ça donne avec eux deux. Ah, avec eux qui vont arriver. Alors, il va me falloir là. Il va me falloir des préparateurs. Alors, qu'est-ce que ça donne? Préparateur physique. Au revoir. Comment vous dire? Hop. Toi, tu rentres chez toi. Tu rentres vraiment chez toi. Hein. Vraiment, je veux pas de toi chez moi. Hop là. Alors, un préparateur. Un préparateur. Oh là 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 là. Mais il y a tout à faire en fait. Niveau staff préparateur, il y a vraiment tout à faire. Hein. Voilà. Pour ma connexion, je vais essayer de ne pas faire des vidéos de plus d'une heure. Donc au pire, si on doit... Si on doit le faire en deux vidéos, on le fera en deux vidéos. L'entraîneur adjoint. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Oh! Et mais IRL, ça m'étonne pas que ça se passe si mal s'il joue avec des gens pareils, hein, à un moment donné. Je veux pas être. J'ai plus personne. Hein. Lui, il reste, à moins que je trouve mieux. Mais j'ai tellement de taf. Oh! J'ai aucun entraîneur. Entraîneur gardien, j'ai pas. Ben non, j'ai zéro préparateur. Bon. On en a 7. Donc, recherche de staff. Déjà, on voudrait... on efface ça. On voudrait... where is it? On va prendre un prépa physique déjà. Prépa... Prépa physique. Général, vraiment. Folie générale là. Alberto Andorlini. Voilà. Ça, à moins qu'il demande la mère. Parfait. Viens chez moi. J'habite chez une copine. Bon, à la base, il m'en aurait fallu au moins deux, mais dans un premier temps, je vais peut-être faire avec un, on va voir. De toute façon, il n'y a personne d'autre. Condition physique des terres, discipline. Ouais, même là, hein, là. C'est bon ça. T'es cher, toi. Attendez. À part... Attendez, il est où? À part lui, adaptabilité, parce que comme il est pas belge,
Je sais pas si ça joue l'adaptabilité. Non, ça joue pas en fait. Bah là-dedans, en tout cas, je vois pas que ça joue. Donc si je retirais. Pourquoi il met l'adaptabilité du coup? En fait, il ne me la met pas. Nous sommes bien d'accord, hein. Voilà. C'est pas moi du tout qui me trompe. Donc là, nous avons un espagnol. Là, nous avons un italien. Là, nous avons un américain. Il est bon, lui. 19, 17, 14, 15. Après, mon problème, je n'ai que 7 préparateurs. 7 préparateurs. Et il me faut au moins deux entraîneurs des gardiens, un machin. Il faudrait deux prépas physiques et rien à faire. On va le tenter, c'est pas grave. Contrat, proposer un contrat, prépa physique. Hop, c'est parti. Ensuite, prépa gardien. Alors, dans un premier temps, entraîneur des gardiens, arrêt. Ouais, l'Ouro, c'est trop cher pour moi, je pense, non? Ouais, 23 000. Donc là, on avait pris arrêt. Il n'y a personne. Teddy Richer. On va déjà devoir, on va avancer et voir ce que ça donne avec ça déjà. Offre des Xbox pour Oud. Combien? Au revoir. Alors, nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord à Chimérou aussi. Colassin, mais il est belge. Ça, c'est non. Non, bah tout ça, c'est non. C'est moi qui fais. Je vais gérer moi-même. Alors, ici, je peux vous dire, ça va bosser dur. Tac. Semaine, 2 semaines. Hop. Une semaine, 2 semaines. Une semaine, 2 semaines. À un moment donné, faut arrêter de déconner. Il me faut. Oui, j'avais oublié staff. Recherche de staff, il me faut. Un adjoint, un entraîneur adjoint, entraîneur adjoint. Ok. Dix-sept, 16 et 15. Nuno Gomes.
Qualifier recherche, donc c'est éval, potentiel et gestion. Brian Klug. 15, 17, 17. Techniquement, gestion de personnes, qui l'entoure particulièrement. Ouais, mais il y a déjà 61 ans, je suis pas fan. Marquinhos. 16, 15, 15. Mais en fait, il n'y a rien à faire. J'aime beaucoup Nuno Gomez. Est-ce qu'il veut bien, est-ce qu'il veut venir en genre entraîneur adjoint? Mon avis, non. C'est dommage. C'est dommage parce que je l'aime vraiment bien, Nuno Gomes, en plus. Junior Chavar, qui est brésilien. 15, 18, 15, pas mauvais. Pas chaud chaud. 15, 18, 15 en entraîneur adjoint. C'est le seul vrai entraîneur adjoint, techniquement, c'est lui. Lui, il est entraîneur adjoint. Ce ne sera pas le pire du monde. Est-ce qu'il veut venir? Non, entraîneur adjoint. Et pourquoi tu es entraîneur des gardiens? Tu es entraîneur adjoint, mec, sérieux. Voilà, viens chez moi. Bon, c'est un peu en dépit, mais j'ai besoin d'un bon, donc voilà. Nous allons voir. Alors, en prêt. Pour Oudan prêt, c'est moi. Non, 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 rejeter l'offre. Alors, je me tenais. Alors, c'est parti. Je fais jamais de. Nous avons les moyens de remporter le titre. Je pense que nous avons les moyens d'être candidats crédibles au titre. Parfait. J'espère, pense également que nous devrions aussi tenter d'aller le plus loin possible. Je pense également que nous devrions aussi. La phase finale. Ah. Bon, bah, ok. Si c'est à ce point-là, Coupe de Belgique. Ouais, on s'en fout. Voilà, parfait. Ah, positif. Déçu. Bon, ce n'est point grave. C'est quand vous voulez le staff. Alors, qu'est-ce qu'il veut? Problème avec Wood. Ouais. Je m'en fous de dire 7 millions. C'est juste pour qu'il soit content dans un premier temps. Je vais ignorer pour le moment. Wood. Transfert proposé au club. Non spécifié sur les transferts, on va juste mettre qu'on ne voilà proposé. J'ai oublié ça. Ah 4-6-4-6-4-6-4-6. Accepté. Hop. Ah. Alors. Lançons les. Il n'y a que 4. L'ADH. D'accord. Qu'est-ce que cela vous fait d'avoir une telle opportunité? Alors. Je ressens avant tout un grand sentiment d'excitation et j'ai hâte de me mettre au travail. Beaucoup de gens estiment que le budget salarial est insuffisant. Voilà, hop, je suis prêt à travailler avec ce budget. De toute façon, je n'ai pas le choix. Pourquoi avoir choisi d'entraîner? C'est un très grand club. Avez-vous hésité? Pas une seule seconde.
D'après nos informations, vous seriez entraîneur porté sur l'offensive. Tout à fait. Combien de travail sera nécessaire selon vous pour remettre l'effectif à niveau? Combien de travail? Il doit y avoir quelque chose là. Voilà. Grand talent. Avez-vous déjà pu vous présenter aux joueurs? Oui, ils ont hâte de prendre un nouveau départ. Souhaitez-vous adresser un message aux supporters? Alors, ces supporters sont parmi les plus fervents au monde, faut pas déconner. Il faut qu'ils sachent que je prends mes responsabilités très au sérieux et que je ferai tout pour gagner leur confiance. Truc du style. Engagé. Encouragé. Engagé. Oh là là. Allez-vous donner une grosse charge de travail à vos joueurs à l'entraînement? Ça, c'est un fait certain. Oui, avant tout, un équilibre. Hein. Bon. Amadou Diawara fait partie des joueurs sur lesquels vous comptez pour construire votre équipe. Je suis bien conscient de son potentiel et je vais tout faire pour l'aider à l'atteindre. Hendrik Van Combrugge conservera-t-il le brassard de capitaine? Je n'ai pas encore pris de décision. Merci et au revoir à tout le monde. Alors, j'ai fait une micro-erreur. Alors, qu'est-ce qui me bleu? Mais vous ne l'aurez pas en prêt à manger vos mamans. Hop. Pas de prêt pour Oud. Transfert, dispo transfert. No prêt, please. Merci. Je viens de dire que j'ai oublié de faire quelque chose et j'ai oublié de... Alors, dans un premier temps. Oui, accepté. Hop, accepté. Dans un premier temps, je vais prendre des entraînements. Attendez, c'est où? Entraînement. Pour le moment. Oui, je vais y arriver, hein, promis. Alors, pour le moment, je vais prendre des trucs qui existent. Je vais prendre ceux de gourou. Hein, pam, non, pas ça que je veux faire. Annuler. Je vais prendre les entraînements de gourou dans un premier temps. Oui. Charger. Sauver. Je verrai au fil de la saison comment ça avance, comment ça fait, comment machin. Et on verra. Mais dans un premier temps, je vais prendre ceux-là. Hop. Et semaine 4. Charger. Sauver. Alors, calendrier. Donc là, je peux rien changer. Ça fait 1, 2. Le 27 juin, ça fera 2. 3, 4, c'est parfait. Donc la 4. La 3. La 2. Voilà. Et je ne peux malheureusement pas changer ici. Et je n'ai pas de match. C'est embêtant. Mais c'est comme ça. Donc là, un match, c'est bon. Un problème, c'est quoi ce délire? C'est quoi ce pro? C'est quoi ce pro? Attendez, je n'ai rien. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est ma souris qui a cliqué deux fois? Oui. Un match, c'est bon. Deux matchs, il me faut un match. Je vais noter. Je reviens tout de suite.
Donc je disais, je vais noter. Donc il me faut un match le 6 juillet. Voilà. Il me faut un match, non pas là. Ben voilà, il me faut juste un match le 6 juillet, si je comprends bien. Ce serait parfait, ça. Alors, calendrier. Le 6 juillet, hop. Peu éloigné d'Ender to Bees. Bon, le moins cher, on va pas se prendre la tête, hein. 28, 25, 22, 13. Sept, 4, 8, 4, 79. Ce sera vous. Voilà. Hop, parfait. Hop, parfait. Et ils acceptent. Parfait. En staff, voilà. Ok, on est bon. Alors, je vais faire comme à chaque fois. Je vais certainement jouer l'un ou l'autre match amicaux, voir un peu comment ça tourne. Et puis après, je ne les jouerai sûrement plus. Hop. Ignorer, je connais, merci. Ah oui, attendez que je regarde à ça. Effectif, vue d'ensemble, enregistrement. 9, ok. 13 au minimum dans ce cas, mais je m'en fous, c'est pas ça que je voulais savoir. Y'a pas. Ah, tant que j'ai au moins 8 formés en Belgique. Ok, parfait. Parfait, parfait. Ah, ben justement, tiens, un ailier. Un ailier droit. 24K par mois. Il a 29 ans. Ouf. 29 ans, c'est non. T'es qui, toi? Accepter le poste de recruteur, c'est parfait. Préparateur physique. Entraîneur des gardiens. Formation. Formation. Accepter. Hop, c'est parfait, tout ça. Accepter. Hop, c'est parfait. Marquinhos a été récemment nommé entraîneur adjoint. Cela va-t-il modifier la manière dont vous travaillez? Absolument pas. On a un peu de bénéfique. Hop, voilà, parfait. Je vais une fois essayer de jouer un peu avec les. Les médias, j'ai rarement, ça m'énervait, moi j'ai jamais, rarement joué avec eux. En fait, je suis pas mal, j'aurais peut-être dû quand même. On en est où dans la semaine là? Calendrier. Non. On est le 24. Bon, tant pis, c'est pas grave. Ce n'est point grave. Réunion de recrutement. Alors. Pour débuter cette réunion, vous devriez consulter une constituer, pardon, une équipe pour la saison et définir vos intentions. Ok, voilà. Donc là, j'ai bien 3 attaquants. Alors, le problème, ça va être ici, je pense, parce que Verskaren va être là. Là, j'ai Rafaelov et Elhadj. Donc ça c'est bon. À gauche, j'ai Amouzou, mais j'ai personne pour concurrencer Amouzou. Et ici,
je pourrais mettre Vorskaren et faire jouer Raman. Parce qu'ici, donc, j'aurais Vorskaren, Raman. Là, j'aurais Silva Esposito. Là, j'aurais Refaelov, Elhadj. Et là, j'aurais donc Amouzou et il me faudrait quelqu'un d'autre. Alors, est-ce que je vais chercher quelqu'un en jeune pour le mettre là? Je vais voir après. Ok, donc tout ça c'est bon. Attendez de prendre une décision. Ok. Wesley Hood, on s'en cogne. Terminé. Voilà. Rapport de sur Kana. Je suis convaincu que Kana est désormais capable de jouer à son nouveau poste. Bah oui, en même temps, ils n'en étaient pas très très loin, donc bon. Je vais regarder où j'en suis niveau staff. Hop, on remet le chronomètre et voilà. Alors, présentation de l'effectif. Ceci est votre équipe, le groupe de joueurs chargé de traduire votre vision de jeu sur le terrain. Ok, Vertonghen joueur clé, grand espoir avec Duranville, les plus gros salaires pour Diawara. Liste. Observer. Offre. Alors, justement, Monsieur Duranville. Monsieur Duranville, qui n'est pas là, mais là. Monsieur Duranville. Est-ce que... Est-ce que je le monte? Alors. Je vais regarder un peu. Avec le reste. En fait, c'est celui qui est le plus avancé, j'ai l'impression. Mais je trouve que pour... Enfin, je sais pas. Je pense que je vais le monter quand même. Je pense que je vais le monter. Je vais le monter quand même. Effectif. Non. Non. Je vais le monter quand même chez nous. En senior. Et je vais voir ce qu'il en est. Ah oui, le staff. Voilà, parfait. Alors, pré-joueur d'avenir, c'est moi. Organiser l'entraînement général des équipes de jeunes. Pour le moment, je vais le laisser faire. On verra après. Alors. Aucun joueur approprié n'a été trouvé. On va recommencer. On va aller voir dans recrutement. C'est pas ça. Virer. Ah bah non, ça va. Oh, il n'y a pas beaucoup, ça va. Alors, Jack Stacy, qui est un ailier droit dont je n'ai pas besoin. Yanem Villa. Mido. Ta-ta-ta. Je n'ai rien, les personnes ici. Si je prends lui, par exemple, il est où? Allô? Allô, allô, allô? Voilà, lui. Si... Je le compare à notre ami, comment il s'appelle lui? L'attaquant là. Si je le compare à Benito Raman. Raman est plus rapide et meilleur niveau attaque. Mais ouais, mais le problème c'est que ouais. Quand on regarde Benito Raman, donc lui déjà, son profil d'ailier, 13, 12, 12, 12, 13, 14, il est moyen partout, mais il a les stats partout.
Si je prends notre ami Benito Raman, je suis désolé, mais en ailier. Alors oui, il est plus rapide. En fait, ce qui m'énerve, c'est le centre. Je sais pas. Je sais pas. Franchement, je sais pas pour le coup. Je sais que pour le club, ne pas recruter, ce serait le mieux, parce que pour plein de raisons. Parce qu'ils ont besoin de pognon, parce que voilà. Donc, est-ce que je fais avec ce que j'ai et je gère comme ça et tant pis pour cette saison-ci en tout cas? Je ne sais pas. Je n'en sais absolument rien. Sujet. Oui, ça on va. Hop. Milieu offensif droit. Maximum 29 ans. Ok. En sceptique sur les transferts. Arrête avec ça. Serginho. Il est droitier donc. Franchement, pour un joueur de 27 ans, c'est pas un step-up du tout. Lui. Ah mais lui, il est beaucoup trop cher. Lui, il est clairement beaucoup trop cher. Lui, c'est le même. Vous avez vu le salaire qu'il a? Et tout le reste, c'est des. Je suis bien en monde, donc ça c'est fait, c'est sûr. Oui, ça, je sais que c'est des joueurs que je n'aurai pas, mais je veux voir. Ok. Ayos Pérez. Poligno. Aprilia Rasmussen. Ekitike. Mick Trésor. 23 ans, 71 000. Et si cher que ça, Mick Trésor? Bon, il est pas mauvais, il n'a que 23 ans. Ouais. Ah, c'est dommage, hein, que j'ai pas l'argent. Alors, sergent, il y a Sakoma. Quand tu veux, tu viens chez moi. Malheureusement, le prix, je ne sais pas le payer. Ah, je dis ça, mais ça tombe. Yanis Hadji blessé. 5 à 6 mois. Pas de bol. Pas de bol. Timothy Weah. Ouais, mais encore une fois, c'est 7 millions. Je peux jamais me payer un type pareil maintenant. Akon Evgen.
Même chose, 6 millions. Vingt ans. Sofiane Boufal. 130 000 par mois, à un moment donné, je vais être gentil, mais. Voilà, quoi. Oscar Bob. 18 ans. Ouais, je descends bas, je descends bas. 3 millions, 3 millions. 26 ans, 24 ans. Encore les Wolves. Je sais pas, y a rien qui me. Nonchalante. Mémode Oliver Villatsen. Quel âge il a? Il a 20 ans. Son... Oh. Petit peu de déter. Réviser une semaine pour voir ce que ça donne. Mogé. Mats Hansen, MDC, MOD. Ah, lui, il est gaucher, donc ce serait, ouais. Un ailier intérieur ou un attaquant intérieur, quoi. Vise un autre en centre. Après, il a 18 de déter, il n'a que 19 ans. Superviser une semaine. Ben, pourquoi il me parle, lui? Benjamin Nygren. Ah oui, j'étais joueur au Hagenk, il me semblait bien que je connaissais ce joueur. Mais même chose, ce serait plus. Ouais, ou un milieu offensif, mais ça, j'ai ce qu'il faut. Emoji buteur, emoji buteur, Sheldrup. Andreas Sheldrup. Oula! Quoi cette tête? Il est droitier. Putain, t'es bon, toi, bonjour? C'est un attaquant intérieur gauche. Oh putain, il est bon. Mais 7 millions, c'est mort. C'est bizarre, il pourrait. Ouais, je sais pas. On va voir ce que ça peut donner. Nous allons bien voir tout ça. Voilà, 0, 0, 0, 0, 0. Vous servez vraiment à rien en fait. Oula, joli, bonjour le staff. C'est mieux déjà, hein. C'est vachement mieux. Je peux même me lâcher. Alors par contre, il va me falloir du tactique et du physique encore, hein. Donc, nouvelle recherche. Staff. Prépa.
J'ai dit prépa, 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 prépa tactique, c'est ça? Avec le ballon tactique. Attaque tactique. Tac. Ouais, j'aurais plus pris défense tactique en fait du coup. Y a personne. Il n'y a personne en défense tactique. Du tout. Il n'y a aucun prépa en défense tactique. Genre, ça n'existe pas, quoi. Recherche ciblée afin que votre staff vous aide à effectuer cette recherche. Attendez, c'est quoi ça? Mais c'est quoi ce délire? Il y a un problème là. Il y a un problème. J'ai fait une bourde ou ça se passe comment? Genre juste prépa, il n'y a pas. Tout. J'ai fait une connerie ou quoi? J'ai personne. Qu'est-ce que j'ai foutu? Foutu. Il y a un problème, j'ai personne en staff. On m'explique? Staff. Recherche de staff. Je pense que j'étais dans le mauvais truc. Donc je recommence. Entraînement, préparateur, défense tactique. Attendez, hop. Prépa. Prépa, prépa, prépa. Défense tactique, ok. J'ai quand même personne, hein, bon. Mais au moins... Je fais ça. Tactique 15 et défense 15. Note tactique. Brian Klug, prépa. Défense et tactique. Entraîneur, est-ce qu'il voudrait venir chez moi, genre en prépa, par exemple? Oui. Ah. Réponse requise de où? Il n'y a pas de réponse requise, qu'est-ce que tu me racontes? Ah oui, les fameux bugs post-bêta. Et ça allait casser ta mère de chez moi. Merci, au revoir.
je pense que nous commencerons les amicaux dans la prochaine vidéo. Ça c'est la tactique, parfait. Oui, ça je sais. Il faudrait que je regarde à ça. Infrastructure. Superbe centre d'entraînement, excellente structure de formation, excellent encadrement des jeunes et recrutement de jeunes de très haut niveau. Bah en fait, ouais. Si je pouvais avoir mon staff qui arrive. Envoyer suivre un stage de néerlandais intensif. Hop, allez parler néerlandais. Faudra garder à ça. Très bel problème de blessure. Modo, il a déjà 24 ans, lui. Vraiment, pour 24 ans, c'est non, en fait. Hein. C'est non. Ça, j'ai pas encore regardé, mais lui, ça va dégager. Hein. Joueur important possède une clause. Modo, il est en quoi, lui? Titulaire régulier. Ah, il est prêté. Ouais. Regardez ça plus tard. Là. Là, par contre. Tu bouges, terminé, merci bien. Alors, tout ça, ça jarte, je préviens. Hop. Proposer, finaliser, quitter. Merci, au revoir. Et toi aussi. Hop, négocier. Ça va vite. Tu bouges, tu bouges, tu bouges. Et toi, tu bouges aussi. Proposer, finaliser, quitter. Voilà, c'est parfait. Ben, je vais m'arrêter là pour cette vidéo et nous recommencerons plus tard. Merci bien YouTube. Ciao!